Dans les murs de soutènement, il existe quatre modes d'autoblocage. Le premier est assuré par la simple force du contact entre les blocs. Observez l'épaisseur de ces blocs d'extrémité. Vous constaterez à quel point ils sont pesants et bien connectés entre eux. Le deuxième mode utilise un dispositif mécanique indépendant. Quand je glisse cette clé dans la rainure arrière du bloc suprema, j'obtiens le recul voulu et je raccorde les blocs avec les clés. Le troisième mode utilise un matériau de remplissage des interstices. C'est la même pierre angulaire nette de 3/4 pouce. Rappelez-vous que moins de 5% traversent un tamis numéro 200. Nous avons utilisé cette pierre derrière le mur et dans les interstices des blocs. Cet agrégat aide aussi à retenir le mur ensemble. Le quatrième mode est le raccordement par le modèle. On doit alors s'assurer que les blocs se chevauchent correctement.